Yo la team, content de vous retrouver aujourd'hui à l'abri. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant à l'appel, je vais vous présenter quelques produits que j'ai reçus, que j'avais commandés, que j'ai reçus. Donc à chaque fois, je vous donnerai un peu la description, le descriptif du produit, le prix, et vous allez voir que c'est quand même assez énorme. Alors on va commencer par ce petit outil qui n'a l'air de rien. Comme ça, en fait, c'est un truc pour remplir ses moulinets. Alors, on met, comme j'ai mis là actuellement, la bobine à l'intérieur. Donc, on desserre le petit papillon qui est ici, on enlève, on met la bobine. On vient resserrer pour avoir la tension de la bobine qu'on veut au niveau du remplissage du moulinet. Avec la ventouse, on met ça dans un seau, parce que quand on remplit les moulinets, il faut que la bobine soit immergée dans l'eau, c'est mieux. Donc en fait, on vient prendre un petit seau que j'ai, un petit seau vert ou un seau quelconque, pour que l'eau arrive à peu près en bas de la bobine, à ce niveau-là. Et en fait, on ventouse au fond du seau, et en fait, après, on peut prendre le moulinet et remplir son moulinet tranquillement. L'objet reste fixé au fond du seau, l'eau arrive à mi-bobine, ça mouille le fil et c'est nickel. On peut régler la tension sur la bobine, plus ou moins, et franchement, ça change la vie. Hein. Comme je vous avais dit, moi, je n'avais jamais vu ce type de petit ustensile et je me prenais la tête à mettre la bobine dans l'eau, à tenir mon fil, à mouliner pour que ça soit bien comme il faut au niveau de la tension. Et en fait, là, on remplit les moulinets tranquillement, le truc il reste bien fixé au fond, c'est magnifique. On met ça dans l'eau, je mets deux petites gouttes de liquide vaisselle pour dégraisser le fil. Et franchement, ça le fait de ouf. Alors j'ai acheté ça sur Chronocarp, 15 euros. 15 euros, franchement, c'est quand même bien foutu, c'est en alu. Tout est en alu. Franchement, c'est super bien foutu. Alors ça, je valide totalement. Donc je vous rappelle, sur Chronocarp, environ une quinzaine d'euros. Et franchement, pour remplissage des moulinets, ça change la vie. Franchement, on gagne du temps de ouf. Et en plus, comme on peut régler la tension, le fil est très bien posé sur les moulinets, il n'y a aucun problème. Alors ça, franchement, ce produit-là, je valide entièrement. Alors, la deuxième chose qu'on a reçue, c'est les chaussures. Alors, c'est la marque, c'est Donna. Donc, je les ai achetées sur AliExpress. Alors c'est des chaussures de randonnée, voilà, c'est des chaussures de rando. C'est plutôt très très qualitatif, oui. Moi je les trouve vraiment pas mal. L'intérieur il y a une semelle qui est plutôt molle au fond et le système de crampons est quand même violent. Alors, pour glisser avec ça à la pêche, au secours. Donc tout ce qui est au bout est bien bien renforcé. C'est vraiment ça a l'air vraiment vraiment bien. C'est assez rigide, mais bon, il faut qu'elle se fasse. Mais par contre, niveau confort, niveau qualité de fabrication, on est sur de la bonne pompe. En tout cas, une chose est sûre, pas pire que ce qu'on peut trouver à Decathlon, puisque moi, avant d'acheter celle-ci, j'ai essayé de me renseigner un peu chez Decathlon. Pour avoir l'équivalent d'une pompe de randonnée comme ça chez Decathlon, il faut compter 70 euros. Voilà, minimum 70 euros. Là, 32 euros sur AliExpress. Alors, c'est imbattable, quoi. C'est juste imbattable. Moi, je me suis racheté des pompes pour moi, enfin des pompes, des baskets. Hein. Je les ai payées en promotion à Decathlon, 30 euros. Donc, quand on voit ce qu'on peut avoir comme qualité de chaussures, il n'y a pas photo. Elles ont mis 10 jours à arriver, environ 10-12 jours à arriver, mais 30 euros quoi. 30 euros, 32 euros, tout frais compris, frais de livraison et tout. J'ai pas eu de problème à la livraison, ça arrivait nickel. Donc c'est la marque Donna. C'est la marque Donna et franchement, c'est du très très bon matos. Franchement, je les ai essayés. Bon, ça sera des pompes pour Moustique, qui est là d'ailleurs. Hein. On dit bonjour à Moustique. Voilà. C'est mon caméraman. Donc voilà, ça sert des pompes pour lui. Et franchement, j'ai rien à dire.
c'est pas super lourd, la couleur est nickel, il y a des petits renforts. Non, franchement, les pompes Donna sur AliExpress, 30€, 32€, je valide. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, ce que j'ai acheté, c'est ce fameux sweat. Alors, je vous présente comme ça, mais je ferai une petite vidéo quand je l'aurai sur moi. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, on a dessin de carpe devant et dessin de carpe derrière. Donc, voilà. Voilà. Je vous ferai un petit... Là, pour l'instant, on va passer, mais je vous ferai après une petite vidéo. Quand je l'aurai sur moi, ça sera plus visuel. Voilà. Je vous le ferai à la suite. Hein. Vous ne verrez pas la différence. Je le mettrai, on fera la petite vidéo pour vous le mettre. Alors, ça, pour info, donc c'est un sweat à capuche. Hein. Voilà. C'est un sweat à capuche. Voilà. Donc, décoré comme ça. Alors moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été à Intersport acheter un t-shirt, un simple t-shirt, hein, un t-shirt manche courte, le t-shirt de base avec une petite déco dedans. Je l'ai payé 12€. Voilà, je l'ai payé 12€. Ça, avec tout le dessin devant, derrière, la capuche et les manches longues, j'ai payé ça 13€. C'est hallucinant. Le prix, c'est hallucinant. Le tarif, il est dingue. Alors, on pourra dire, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais AliExpress, c'est normal, c'est pas cher, c'est chinois. Sauf que j'en ai profité pour regarder un peu tout ce que j'avais dans ma garde-robe. Et 80% de ce qui est dans ma garde-robe, c'est soit made in China, soit made in Bangladesh. Entre nous, ce qui est pas mieux. Donc, en fait, que vous achetiez ça sur AliExpress à ce prix-là ou que vous alliez dans un magasin lambda pour acheter quelque chose d'équivalent, certainement à un prix beaucoup plus élevé, il viendra quasiment toujours du même endroit. Donc là, c'est juste qu'on achète directement au fabricant et de fait, on le paye beaucoup moins cher. Un truc comme ça en France, un produit comme ça en France, c'est 30 balles. Faut pas se voiler la face, c'est 30 balles minimum. Donc là, on est sur 13€. C'est vraiment comme quoi on peut quand même pouvoir s'équiper un petit peu pour vraiment pas trop cher. Et ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est très bien. Voilà, alors voilà ce que ça donne un peu sur moi, le sweat. Alors franchement, il taille bien. Je fais 1m77. Je l'ai pris en XL pour ceux que ça pourrait intéresser. Oui, je l'ai pris en XL, je ne suis pas trop costaud ça va bien. Au niveau des bras, c'est nickel. C'est très léger, donc ça, c'est un truc qu'on pourra mettre même en été. Franchement, c'est très léger, c'est vachement agréable au toucher à l'intérieur. Franchement, il est top. Donc sur le devant, comme on peut voir, donc c'est dessin de carpe. Voilà, et pareil sur l'arrière. Voilà, donc moi, je le trouve super fun. La qualité a l'air très très bonne, il est très léger, donc un truc qu'on peut mettre quand il fait même un peu chaud, en remontant les manches, franchement tu remontes les manches comme ça, voilà, t'es bien. Voilà, tout ça pour 13€, c'est juste, le prix est juste hallucinant, franchement, j'ai pas peur des fois de dire que c'est presque gratuit, franchement, quand on voit le prix des chaussures, j'en ai eu pour à peu près 75€ pour un sweat à capuche, hein. Parce qu'il y a une petite capuche derrière. Voilà, un sweat à capuche comme ça. Voilà, un sweat à capuche comme ça. Deux paires de chaussures de randonnée, 75€. Comme quoi, même si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut quand même s'équiper. C'est ça qui est intéressant, franchement. Moi, j'ai regardé des chaussures, à peu près l'équivalent sur Amazon. C'est 20-30€ de plus. Franchement, c'est 20-30€ de plus. Donc, on peut s'équiper vraiment, vraiment, si on a peu de moyens. Voilà. C'est vraiment moi je conseille franchement ce site AliExpress, j'ai encore pas mal de trucs à regarder dessus, franchement il y a des trucs à des prix défiant toute concurrence. Alors je sais que c'est sur AliExpress, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, le moindre truc que je regarde c'est made in Bangladesh ou made in China, quoi qu'il arrive, même si on les achète ici,
La différence, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on l'achète en direct. Voilà. Voilà la team. Bah écoutez, on va repartir sur la suite. Et je vous dis à tout de suite. Tchuss. Voilà. Donc, on va passer au prochain cadeau. Et celui-là, il est encore emballé. Je le découvre avec vous. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Un peu de bruit, je suis désolé. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors ça, c'est ce que je viens de recevoir aujourd'hui. Alors ça, c'est mes chaussures à moi pour la pêche. Donc c'est pareil, c'est des chaussures bien cramponnées en dessous. Bien renforcées sur l'avant. Alors celles-là, elles sont montantes pour protéger mes petites chevilles. Ça a l'air, je les ouvre en même temps, donc je les découvre en même temps que vous. Franchement, au niveau des semelles, ça a l'air super grippant. Ça a l'air vraiment grippant. Donc les semelles, je valide. Ça, pour se croûter, à mon avis, c'est un peu compliqué. La chaussure en elle-même a l'air de bonne qualité. Il y a une petite semelle au fond qui a l'air sympathique. Mais moi, je les ai prises un peu plus grandes pour justement déjà pouvoir mettre des chaussettes plus grosses. Et aussi mettre, après, je mettrai dedans une semelle. Pour ça que je les ai pris un poil plus grandes. Voilà, elles sont... C'est simple. Oui, c'est simple. Comparé aux autres, ça a l'air d'être... C'est moins travaillé sur les côtés, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air plutôt de bonne qualité. Donc, encore une fois, je valide. Alors là, c'est des montantes, hein, attention. Là, on est vraiment sur des chaussures montantes. Il y a les petits crochets ici pour mettre les... Ici, pour mettre les lacets. Donc, franchement, ça a l'air d'être de la bonne chaussure. Alors, comme d'habitude, tout ça pour 32 euros aussi, 31 ou 32 euros. Je vous défie d'aller dans n'importe quel revendeur et trouver des pompes comme ça à ce prix-là. C'est vraiment... c'est pour le prix de deux chaussures, j'ai une paire ici, quoi. Donc, c'est vraiment du bon produit, franchement. Bon, pareil, l'autre, c'est exactement la même. C'est vraiment du... En chaussures montantes, c'est vraiment du bon produit. Les lacets ont l'air sympa. La protection devant a l'air sympa. Non, franchement, c'est pas des Donna. Hein. Ça, je sais pas trop la marque que... Bah, je pense que ça, c'est le sigle d'Iowa. Alors, est-ce que c'est vraiment des pompes d'Iowa? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air de faire le taf. Voilà. Franchement, c'est bien. Voilà. Donc, on a fini d'ouvrir tous nos petits cadeaux. Hein. Donc, les paires de chaussures ici. Donc, on voit bien la différence avec les Donna. Voilà. Voilà. Le petit sweat qui est ici. Et puis, alors ça, c'est vraiment... Ça m'a fait gagner je ne sais combien de temps. Voilà. Voilà la team. Et ben, après l'ouverture de ces beaux cadeaux, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon week-end. Bonne chance si vous allez à la pêche. Et puis, on se dit à la prochaine. Et surtout, bien évidemment, si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça fait du bien, c'est gratuit et ça permet à la chaîne de se développer et de pouvoir... continuer à faire du contenu qui vous plaît. Voilà. Allez, la team, je vous dis à plus. Gardez la pêche et prenez soin de vous. Tchuss !